on est au festival Popanalia, 40 ans après. Rémi Kopakopoulos, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été invité pour mixer ici à ce festival Popanalia. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée qui n'est pas encore terminée d'ailleurs? Oui, absolument. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est d'abord moi qui aime la diversité, je suis servi. Je pense que c'était une programmation assez judicieuse avec les références à il y a 40 ans et puis les choses très contemporaines d'aujourd'hui. Donc pour les choses contemporaines, c'était Sacher de Bao qui est un groupe d'ici, je sais qu'on aime beaucoup le disque. Cette première rencontre assez historique entre Omar Sosa, Trio Gourtou et Paulo Fresu, que je connais très bien, que je connais très bien séparément et que j'ai eu le plaisir de voir ensemble. Et c'était une première, et c'est toujours bien qu'il y ait une première, parce qu'on dira c'est là que ça a commencé. Les anciens, ceux qui y étaient, contrairement à moi qui n'y étais pas ici, qui y étaient même s'ils n'y ont pas joué, comme Archichef d'un côté et Gong de l'autre. Donc, belle aventure. Moi, j'étais là pour faire un peu les liaisons. Et c'est fort agréable parce que ça permet que les gens viennent s'informer, dire tout le bien qu'ils pensent de Nova. Ça fait toujours plaisir. Alors, Radio Nova, oui, qui était présent parce que l'instigateur du premier Popanalia. Oui, c'était Jean-François Bizot. Et Jean-François Bizot était. Donc, c'est assez drôle parce qu'il a créé ce festival, il a inventé ce festival éphémère et presque virtuel avant l'heure, parce qu'il n'a quasiment pas eu lieu, avant d'inventer ce qu'il a fait, ce qui est resté dans la postérité, c'est-à-dire Actuel, puis après Radio Nova, puis après TSF, mais Actuel a commencé en 71 et le festival ici était en 70. Donc, il était à l'époque journaliste à l'Express et il avait envie d'autre chose, il avait une bonne connaissance de la contre-culture américaine et il s'est dit que tant qu'à faire qu'il y ait eu un Woodstock là-bas, il ne s'agissait pas de faire un Woodstock ici, mais juste d'avoir un esprit un peu de ce mélange et surtout de ce mélange entre le jazz d'avant-garde et la pop. Et c'est vrai que c'était un truc qui commençait à exister aux États-Unis, mais qui à la limite c'était encore plus radical ici, en France. Et il y a eu un festival où Bizot a participé aussi à Mougy en Belgique, qui lui était sous les trompes d'eau. Ici, ce festival un peu virtuel. Faut dire que le cadre ne se venait faire dans les yeux, évidemment. Ça donne envie de rebelotter 40 ans après, et c'est dommage parce que Jean-François Bizot, entre temps, est parti là-haut, il aurait adoré être là. Et Michael Pacopo, vous êtes l'un des premiers à avoir parlé de world music. Ouais, c'est les autres qui ont parlé de world music, moi j'ai parlé de musique tout court. Voilà, mais justement je voulais vous demander si ça avait encore un sens pour vous aujourd'hui. Non, mais ça n'a jamais eu de sens, world music c'est un truc de tête de gondole. World music c'est world music, ça veut dire la musique du monde. Donc le monde c'est tout. Alors, ce qu'on qualifie de world music, c'est exactement la musique. La musique mondiale, moins la musique anglo-saxonne et moins la musique du pays où on est. Donc, ça ne veut rien dire. Donc, je pense pas être un instigateur de grand chose, mais par contre, je pense que j'ai mis l'accent sur certaines choses qui se passaient ici et là, et qui sont des musiques d'ailleurs, et j'aime mieux le mot musique d'ailleurs, et la musique de tous les ailleurs en fait. Et finalement, il y a eu un mot qu'avait inventé Actuel avant qu'on parle de world music, qui était sono mondial et qui est beaucoup plus approprié. Avant de vous quitter, Rémi Kopakopoulos, oui. Vous mixez encore partout, etc. Pour vous, c'est quoi la bonne musique? C'est quoi la bonne musique? Ça dépend. Il y a la musique qu'on distille dans les oreilles, il y a la musique qu'on colle sous les pieds. La bonne musique, c'est une musique qui parle au sens. Donc, comme on n'a pas inventé encore la musique à manger, mais par contre, la musique, elle bouge, et la musique, elle fait bouger, et elle fait dresser les oreilles. Donc, c'est la musique qui touche les sens, tout simplement. Et mieux pour que Bob Coupole, merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous et longue vie à Riviera. Comment? RivieraJazzClub.com.